Je prends le diable sur du gospel afro drill. Hey. Oh. Yeah, yeah. Avec Dieu, je ne peux pas échouer. Non, non, non. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro de l'Actu Gospel sur Évangile TV. Préparez-vous car aujourd'hui est un jour très spécial. En effet, on se retrouve avec le prophète Jonathan Gambela à l'occasion de la sortie de son nouvel album « Un jour nouveau ». Un nouveau chef-d'œuvre prend place dans l'actualité gospel. On vous laisse découvrir cet album. Justement, on va rebondir sur le titre, Un jour nouveau. Pourquoi ? Bon, alors, l'album porte le nom de son titre éponyme. Et, comme j'en avais parlé dans une des vidéos que j'avais rendues disponibles sur mes réseaux sociaux, c'est vraiment déjà un chant, ça fait partie des premiers chants que le Seigneur m'a inspiré attaché à cet album. Mais de l'autre côté, je pense que ça résume bien l'esprit général de l'album. Notamment aussi, j'ai voulu que l'album soit très christocentrique. Et donc, un jour nouveau, lorsque vous allez écouter le chant, si vous restez un peu pour la session d'écoute, vous verrez que le chant parle vraiment de ce que l'œuvre de la croix a rendu disponible au travers du sacrifice de Jésus et de tout ce à quoi nous avons droit grâce à cette œuvre. Mais ça nous donne aussi, par la grâce de Dieu, de pouvoir avoir un peu d'espoir et croire en un jour nouveau qui peut se lever, même si aujourd'hui, c'est difficile. Quel est le message principal que le Seigneur veut transmettre au travers de ton album ? Le message principal que le Seigneur veut transmettre au travers de mon album, c'est le même qui est attaché à mon mandat en tant que ministre de la parole, c'est l'intimité. En tant que ministre de la parole, le Seigneur a donné un mandat, un message précis, celui de rapprocher les cœurs des fils vers celui du Père. C'est ce que la Bible nous dit d'ailleurs. Lorsqu'on dit « Viendra l'Esprit d'Élie, il emmènera le cœur des fils vers celui du Père, le cœur du Père vers celui du Fils. » C'est vraiment mon mandat en tant que ministre de la parole. Et je crois que l'ensemble des chants, d'une certaine manière, rapproche près de celui qui est capable de faire le vin jour nouveau. Il y a 2 ans, tu as sorti « Mon corps fléchit », album varié avec plusieurs styles. Où se situerait la différence entre mon corps fléchi et un jour nouveau ? La différence se situerait à quel niveau en fait ? Voilà ma question. Merci. Alors déjà, par rapport au nombre de chants, il y en a beaucoup plus. Mon corps fléchi, il y avait 9 chants, si je compte l'instrumental. Celui-ci, il y en a 15. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, c'est un album qui est un peu plus varié. Il y a beaucoup plus d'urbain dans cet album. Voilà, donc si je peux répondre de manière simple à la question qui m'a été posée. Et puis, bien évidemment, pour la suite de programme, vous pouvez bénéficier du cocktail et ça sera suivi par la séance d'écoute en exclusivité de l'album de Jonathan Gambela. Merci beaucoup. Merci à tous. Que papa a fait dans ma vie, ça m'a fait effet. Les œuvres du diable, il a défait. Un jour nouveau, la saison des pleurs est terminée. Celle de la gloire a commencé. Donc, je suis ici avec une partie de mon équipe, donc la team JCG. C'est vraiment ceux grâce à qui cet album a pu voir le jour aujourd'hui. Je voulais vraiment les honorer et vous les montrer déjà parce que vous allez très souvent les voir. Voilà, donc on va passer à la session d'écoute. Étant donné que le premier morceau est joint au deuxième, on va enchaîner et puis après on se fera une petite réaction après chaque morceau. Bonne écoute. Il a banni mon désarroi, a honoré ma foi, il a restauré ma joie,
fait. Dans ma vie ça m'a fait. Les œuvres du diable il a défait. Un jour nous nous voyons. Voilà, donc vous avez Un jour nouveau, le chant éponyme de l'album. C'est un chant d'espoir, un chant qui est christocentrique aussi. Et puis voilà. Pourquoi m'en irais-je loin de toi, que serais-je? Je m'en pour l'instant. On enchaîne, hein. Chaîne à être positionnée avec mon frérot Esdras. Alors ça, c'est un chant qui date vraiment d'il y a longtemps. On devait le sortir sur Mekadishken. Voilà, mais Mekadishken n'est pas terminé. Du coup, on l'a sorti positionné. Je suis positionné, toujours positionné. L'ennemi ne peut pas m'arrêter. Je suis positionné, toujours positionné. Bonsoir Florence, nous venons d'écouter donc le nouvel album d'Un jour nouveau de Jonathan Gambella. Quelles ont été vos impressions lors de l'écoute? C'est un album très très surprenant parce qu'il y a plein de styles différents, c'est très profond et je savais que ça allait être quelque chose de génial. Mais alors là franchement j'ai découvert des morceaux incroyables et même ça s'est passé tellement rapidement que du coup je me dis je sais pas, parce qu'il a pas arrêté de nous demander quel était notre morceau préféré, même moi je sais pas quel est mon morceau préféré. Franchement c'était impossible de choisir parce que comme vous l'avez dit, on a été transportés dans une atmosphère mais grandiose. C'est ça, exactement, et c'était vraiment puissant. Attendez-vous à un album puissant, profond. Et on peut vraiment aussi s'enjailler à fond, vraiment c'est que du bon son. Et vraiment aussi, vraiment tu sens le cœur de Dieu à travers toutes ces paroles, donc c'est super. Vraiment en fait chaque chant a un message pro particulier, touche particulièrement, il y a différentes sonorités, différentes rythmiques. En fait l'album il est vraiment incroyable et à contrario de celui qui vient juste avant, Je t'adore, celui-là est destiné à une plus large cible et je sens que ce message va bien passer et vraiment c'est un album à partager, à pas hésiter à partager à ses amis, à son entourage, au travail, à l'école, vraiment trop bien quoi. La question que j'ai à te poser, déjà, est-ce que tu es satisfait de cet album ? Très satisfait de l'album, effectivement, parce qu'on sent vraiment que le Seigneur nous a vraiment accompagnés. C'était pas forcément évident, c'était un très grand défi à relever, de faire un album déjà en 6 mois. C'était un énorme défi et honnêtement, lorsqu'on fait un album comme ça, on ne sait pas trop où donner de la tête. Mais surtout au niveau de la diversité de l'album, il y a des titres très divers, mais le Seigneur nous a vraiment accompagnés, beaucoup inspirés. Le Seigneur a vraiment fait son œuvre et on ne peut que être satisfait de voir que le Seigneur en fait, nous a utilisés de cette manière-là. Est-ce que tu t'attendais à ce résultat-là au travers de cet album ? Je pense que oui, parce que quand tu connais le prophète Jonathan Gambella, tu t'attends à du meilleur à chaque fois. Je pense que c'est un homme qui sert Dieu et s'il sert un Dieu d'excellence, alors ce qu'il fait est excellent. Et je suis très contente. Je suis très contente de ce que j'ai entendu. J'ai hâte que tout le monde puisse l'écouter parce que moi personnellement j'ai été touchée. Donc je pense qu'une grande partie, si ce n'est que tout le monde, trouvera sa part. Et comment as-tu trouvé le nouvel album de Jonathan Gambella ? Si je dirais un mot, inspiré. En un mot,
Après, si on dit en beaucoup de mots, ben, je dirais conduit par le Seigneur, je dirais bénissant, je dirais avec plein de variétés, parce qu'il n'est pas resté que dans un style. Je pense qu'il s'est surpassé et je pense que d'année en année, il va se surpasser, aller dans des nouveaux styles de musique, on en a l'impression. Mais en tout cas, ce n'est pas que des styles de musique, c'est des messages. Et dans le titre de l'album, ben, on y trouve tout un message. Et il y a une piste qui porte le nom de l'album. Et j'aimerais vraiment que vous puissiez l'écouter parce que ça peut vous encourager. Qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit pour la première fois lorsque tu as décidé d'écrire cet album ? Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est juste déjà, premièrement, comme je le disais, être obéissant envers Dieu, parce que l'album ne devait pas sortir normalement. Et j'ai vraiment dû faire preuve d'obéissance, mettre de côté ma conception de l'année que je m'étais faite et obéir tout simplement. Et j'ai voulu encore, comme toujours, à chaque fois que je sors un projet, être une bénédiction pour le corps du Christ et le peuple de Dieu. Voilà. Et as-tu une anecdote à nous raconter lors de toute l'écriture de ton album ou même la préparation de ton album ? Alors, il y en a plusieurs, mais juste cet album que vous entendez là, il a été fait dans des conditions, je dirais, peut-être même drastiques, dans le sens où il a fallu vraiment qu'on bouge nos habitudes, notre confort. Il y a des chants qui ont été enregistrés chez mon batteur, chez lui, à la maison. On a enregistré les choses avec l'ordinateur et ça donnera ce que vous écouterez par la grâce de Dieu. Donc vraiment, c'est tant dans les temps d'enregistrement. Je me souviens qu'on a ici à l'église fait des prises de son de 23h à minuit, des choses incroyables, et vraiment la main de Dieu a été sur nous. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Et on a hâte que le monde entier puisse écouter ton album et qu'il puisse bénir une multitude de personnes. J'ai hâte aussi. Merci beaucoup. Merci à Évangile TV. Toujours une bénédiction pour nous, pour moi personnellement. Une pensée également pour l'apôtre ainsi que toute l'équipe. Waouh, l'écoute en avant-première de cet album était juste formidable. Je vous invite vraiment à écouter, réécouter chez vous, parce que l'album est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. En tout cas, je vous invite à partager autour de vous afin qu'une multitude de personnes soient touchées au travers de ce projet. On se retrouve très vite sur Évangile TV. Ce que papa a fait, dans ma vie ça m'a fait. Les œuvres du diable il a défait. Un jour nouveau, la saison des pleurs est terminée. Celle de la gloire a commencé.